Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce Grand Prix sur FACS. Ce Grand Prix, ben, ce soir, on peut l'appeler de plusieurs façons. Moi, je l'appellerai là un ring. Vous l'appelez comme vous voulez. Et pour commenter avec moi, il y a Nécro. Salut Nécro. Nécro, je t'entends plus. Alors Nécro, je t'entends plus. Je sais pas si tu m'entends. Là, je t'entends. Ah. Je t'entends là maintenant. Eh bien, salut Alors, Nécro, comme je disais, ce soir on est là pour commenter le Grand Prix d'un ring. ouais, bah écoute, j'avais pas entendu donc. En tout cas, je suis très content encore une fois d'être là pour commenter une course et puis j'espère que ça va bien se passer. Désolé, un petit ajustement, on a tous modifié un petit peu notre PC, donc c'est un petit peu Tout à fait. Bon, en tout cas, la session est lancée, les sont lancées. Déjà, les premières voitures qui sont déjà sorties. Ce soir, comme je disais, on roule sur l'un ring. Moi, je vais l'appeler l'un ring, parce que Oh, bon, je dis l'Autriche, tout simplement. Moi qui ai décidé de pas me mettre trop fort. Mais là, tu t'es pris plus près du micro en tout cas. Ah, là, j'ai un peu rapproché. Comme dit, c'est les derniers finolages. Merci pour les petits retours. Merci à ceux qui vont nous regarder ce soir d'ailleurs. Et merci pour les subs d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à faire des retours parce qu'on est dans l'inconnu là. On arrive dans Tout à fait. l'inconnu. Et là je me suis mis, c'est sur Kaiser 6, tiens, qui va commencer un tour en caméra embarquée si vous le souhaitez. Sur ce magnifique circuit. Là. Oui. Bon après on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que le circuit, enfin, le tracé est assez simple, mais il a aussi un côté assez piégeux où il est très très facile de perdre le contrôle du véhicule. Et ça, enfin, ces pièges, ça se trouve à chaque virage quasiment, donc quand un circuit un petit peu compliqué. Avec des trois points de droite, on vient de voir là qu'il est en train de passer pour faire des déplacements. Oui, tout à fait, c'est un circuit vraiment propice au dépassement et je pense qu'on va avoir du beau spectacle là ce soir. Après, il y a aussi le secteur 2 là où il passe actuellement Kaiser 6 avec les deux gauches et les deux droites qui aiment bien tuer les deux. Bien les chauffer, aiment bien les tuer. Tout à fait, c'est là qu'on peut gagner beaucoup de temps. Je vois bien une voiture partant d'attaquer ou de laisser en pays. Je sais pas pourquoi le train arrière veut comment filer sur le circuit. Et même le secteur 3 d'ailleurs, très facile aussi de perdre le véhicule. Et même de se faire duler son courant. J'ai oublié de faire sévère ici, à cet endroit-là, quand on a une horreur. Et premier temps pour Kaiser 6, Ayops, il aura fait en 8-8-0-77. Fait voir qu'il fait mieux, avec un temps de 1-0-8-0-53 en hard. Je pense que ouais, Kaiser 6 est en ligne de course. Bon, en tout cas, on continue à avoir les premiers temps. KB qui a fait une 11 pour l'instant. En espérant que les Ferrari seront en forme sur le circuit. C'est une écurie fétiche. Bah, si... je l'espère aussi. Même si j'y roule pas. Bah moi ouais, enfin on roule en tout cas nous, moi je roule en tout cas pour Ferrari. Mais non, c'est vrai que ça a été compliqué là, ces deux, en France on n'a pas marqué beaucoup de points, donc j'espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, de marquer beaucoup de points. Et je pense que ça promet du très lourd en tout cas pour la Ligue BA en tout cas. J'espère qu'en D aussi ça sera le cas. J'ai pas eu l'occasion de voir un petit peu comment en combien il roulait en D. Alors là, pour moi, je vais t'avouer que sur ce circuit c'est totalement l'inconnu. Je vais pas pouvoir t'aider ce soir malheureusement. Bon, en tout cas voilà, je me suis beaucoup entraîné personnellement, je sais à peu près quels temps sont bons ou pas. Alors ouais, il est sur, hein, pour l'instant le meilleur temps, il est descendu, c'est Fever en 1.7.937, il est descendu en dessous des 8. Je
J'écris voir en essai des 4 de la Liga. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer en Ligue C et Ligue D ce soir. Tout à fait, il y a Pietre Red Bull, je sais plus son nom, on ne peut pas dire de bêtises, mais oui, on a essayé, il avait fait une 0-4-9. En impressionnant comme temps. Mais je pense qu'en D aussi, on va avoir des très bons temps là. Peut-être pas des 1-0-4-9, mais peut-être des 1-0-5-2, peut-être en essai ou 1-0-5-3, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de niveaux ce soir. J'ai oublié de partager un peu aussi le RS et tout des gens. Comment qu'ils l'utilisent, comment qu'ils le consomment, qui cache quoi, qui fait quoi. D'ailleurs, je vais le faire aussi. Et effectivement, je suis en train de remarquer qu'on m'entend très très bas. Et quand je dis qu'on m'entend très très bas, alors là, j'ai encore un plus gros problème en plus qui arrive. Comme vous pouvez l'entendre. Je crois que le chien n'est pas d'accord. Oui, mais là, je peux rien faire, désolé hein, pour les petites coupures live, j'essaie d'ajuster, je peux pas monter mon micro plus fort, hein. j'essaye, mais je suis au maximum. Je suis au maximum de la sensibilité. Je sais pas quoi faire de plus. N'hésitez pas aussi à dire si l'image bug, si l'image ne bug pas. Ludalex, tiens, en 1.7.899. Par contre, il a sorti les pneus rouges, hein, comparé à Fever qui t'avait fait le. Fever, je sais plus, parce que là il est marqué en pneu blanc, mais il a pas fait son 1.7.9 en pneu blanc, Fever. Ah, il l'avait fait parce que là, je pense qu'ils sont tous en rythme de course en fait. Donc, ils sont pas à fond. Donc, on va avoir. Oui, oui, effectivement. Ouais. Fever, 1.7.9 en pneu blanc, quand Ludalex, lui, l'a fait en pneu rouge. Son meilleur tour. Et d'ailleurs, il rentre au stand au ralenti. Bien lent. Et Napou, tiens, allez hop. Napoutre en 1.7.661 avec les pneus blancs lui aussi. Tiens donc, c'est un pneu qu'on voit beaucoup là, le pneu blanc. Chez les pilotes aussi. Ouais, c'est assez bizarre parce que je pense la meilleure strat c'est de faire du soft medium. En tout cas, c'est la plus répandue, on va dire. C'est ce que tout le monde fait pendant les entraînements quasiment. J'ai jamais vu quelqu'un partir en blanc. Enfin, pas partir, mais. Rouler en blanc, en tout cas pendant la course. J'aurais pensé qu'ils auraient eu du mal à chauffer, mais bon, après ça se trouve c'est des essais, hein. Donc les pilotes ils cachent toujours un peu, ils veulent peut-être pas tout montrer tout de suite. C'est ça, et puis soit ils sont en rythme de course, soit ouais, ils veulent faire du sandbag à la Mercedes comme on dit. On ne dira rien. On ne dira rien. Bon, Mercedes très good, mon coéquipier en 1.8422, 8ème seulement. Seulement en pneu jaune en plus, malheureusement. Mais pour l'instant. Mini Trebad à nouveau venu, hein. On voit depuis 2-3 Grands Prix. Sur la Red Bull cette fois-ci. Tout à fait, oui. Je ne connais pas encore très bien. J'ai pas trop roulé avec lui, même quasiment jamais, je dirais. En tout cas, en Autriche, je l'ai pas vu beaucoup. En tout cas, en entraînement. Je crois que je l'avais croisé une fois ou deux en France, mais c'était en France. Et là, les essais qui continuent, il reste encore 20 minutes. Et le premier, ça monte en 1.7.661, c'est Napoutre. Ils sont que 3 hein, en 1.7. Ouh, Kams qui part en tête à queue. Il arrive à éviter Lyon. Ouais, tout va bien pour lui, heureusement. Il a même pas cassé son aileron, donc non. C'est pas plus mal. Bon, il y a de la place hein, dans ces dégagements ici, hein, sur le Red Bull Ring, sur la Ring. Ouh, il respin, enfin il a failli respin Kams, fort qu'il rentre au stand à mon avis, ses pneus sont trop chauds. Ouais, c'est les pneus. Hein. Ouais. Par contre, Rio, des fois ils sont trop froids et là, ben, ils sont trop chauds. Bon, c'est qu'il faut... Ouh là, il roule un peu vite quand même, mais. Il fait son tour, il continue, il respin, ouais. Et là, il a cassé l'aileron cette fois-ci. Ouais. Ça commence à être de la conduite dangereuse là, pour Kams. Ouais, lui qui s'en sort là avant de se faire disqualifier. Ouais, il va enfin rentrer dans les stands.
à la bonne vitesse. Arkeo, on a une 7512 avec des pneus jaunes, avec sa Renault. Je venais juste de me mettre sur lui et boum. Ce soir, je porterai peut-être la chance au pilote. Peut-être, peut-être. Actuellement, quand je me mets dessus, ça porte la poisse, donc... Voilà, je revois là juste Rigoon là qui repart là avec des médiums. Bobby Hamilton qui rejoint la session seulement maintenant. Non, il avait quitté puis il est revenu là. Ah, il fait quand même Hamilton, il sent content, c'est bien 10 minutes après le début de la séance, normal. De toute façon il est déjà champion donc voilà. Donc fait voir qu'il est vraiment pas loin d'Arkeo là, il est à 9 millième seulement d'Arkeo. Une 7522. Ah, ça pourrait être serré en qualif hein, parce que ce circuit là c'est pas un circuit où il y a de gros écarts en plus. Ouais, parce que oui, le tracé est assez simple donc effectivement il n'y a pas beaucoup d'écarts. Il est assez court aussi. En tout cas, Fever là, en tout cas, il est pas à fond. Hein, je vous le dis, il a beaucoup roulé, il s'est beaucoup entraîné, Fever, et je pense qu'il va. Je sens qu'il va pouvoir faire de grandes choses ce soir. Il cache quelque chose. En tout cas. Mais oui, en tout cas, il cache quelque chose pour l'instant. Mais en tout cas, il a fait d'excellents temps en qualification, donc. Caméra embarquée sur lui d'ailleurs. DRS enclenché, donc peut-être sur un tour chrono, mais DRS 2 seulement. Et il y a seulement à 59 millièmes de son premier secteur. Donc il n'utilise pas tout le RS et il cache du jeu encore, hein, oui, comme tu disais. Il cache, ouais, il cache. Il cache, il cache. Il utilise DRS pourtant, ouais, donc je sais pas, s'il est pas en rythme de course, je sais pas ce qu'il fait, mais il a pas dévoilé son sous-potentiel là pour l'instant. En tout cas, il faut qu'il le montre, ça c'est clair. Un jour ou l'autre. Il y a une 7797. Il a laissé en caméra embarquée pour vous laisser profiter. Je vais juste aller voir Bobby. Bobby qui s'est déjà loupé au premier virage, voilà. Je voulais voir le temps de Bobby. Super, bah... voilà. Belle entrée en matière pour Bobby. J'ai refait tout le classement pour rien. Et meilleur temps de Mitsu. Une 7506 avec les pneus jaunes. Au bout du troisième tour avec les pneus. Et c'est un one tour Renault pour l'instant. Dans le temps du V8, on aurait dit oui, parce que le moteur Renault, il est plus souple pour sortir du virage. Ce qui compense les fins de ligne droite, mais bon, là, non, c'est plus le cas. Malheureusement, oui. Non, là, j'espère c'est plus le cas du tout. J'espère les revoir, en tout cas, en 2021, en vrai. Hein. Mais bon. Bah, écoute, tu les verras toujours. Hein. Ah oui, non, mais j'espère. Ça, c'est clair, oui, ça risque d'arriver, oui, mais non, je disais plutôt les voir faire des podiums en F1 2021, en espérant. Parce que voilà, c'est vrai qu'il galère un peu là, mais bon, on verra bien. D'ailleurs, Renault qui, si je dis pas de bêtises, est au 5ème au championnat constructeur, tous les constructeurs. Un petit clic pour Renault, désolé, mais 5ème, oui, 5ème Renault, ouais, c'est ça, 5ème, et ils peuvent aller chercher la 4ème place là chez As, voire même Ferrari s'ils sont vraiment très 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 chauds. Ça va être dur hein, parce que Ferrari aussi se réveille, mais ouais Ferrari après encore un peu loin, mais si Ferrari se relâche un peu, ça risque. On risque de se faire dépasser.
tourner sur Fever, mais je... Il fait un tour chrono pour Ostrigo dans le 731, il se met 6ème. Est-ce que je peux aller sur mon autre coéquipier? Ça me dérange pas les gens en live. Bobby, juste pour voir. Parce que ça, c'est comme temps. Le champion de la ligue, et ben finalement, il a pété, et donc il aura pas de points. Bah, Janisco qui est assez large, hein. Pas ce qui s'est passé. Oula, il a beaucoup de mal en tout cas à redémarrer. Je sais pas si. Non, il attendait juste, pardon. Je pense qu'on a vu, il essayait de passer les gens. Il a dû se louper quelque chose. Oh. Bon, ok, il est reparti. Pas d'amélioration de temps pour l'instant, il reste plus que 13 minutes d'essai. Toujours Mitsu, meilleur temps en 1.7.505. Suivi de Arkeo en 1.7.512. Suivi de Fever en 1.7.522. Et après John Gisco en 1.7.577. La poutre en 1.7.600. C'est serré, hein? C'est très serré. C'est très très serré. Quand tu regardes entre le premier et le dixième, il y a 5 dixièmes. Ouais, donc c'est vraiment que dalle, quoi. C'est 5 dixièmes. Bon, en tout cas, normalement, d'ici quelques minutes, les pilotes devraient sortir les rouges pour faire des temps de qualif. Ils vont essayer. Et pendant ce temps-là, Rav qui a pris la tête du classement avec un 1.07.4. Encore très très proche de Mitsu et des autres. J'étais en live sur lui, je le voyais améliorer, mais je suis parti, je sais pas pourquoi. J'ai bugué. Toujours moteur Renault devant. Toujours, ouais, toujours c'est en moteur Renault. Ah bah non, ah, voilà, il faut parler de moteur Ferrari. Enfin, les Italiens qui se réveillent. Et en plus, là, ça claque du temps. Hein. 1.6.852, allez hop. En même temps, bon, c'est les pneus rouges. On sort, ouais. Il y a 6 dixièmes d'écart. Pour l'instant, entre le premier et le deuxième, il y a peut-être 6 dixièmes dans les pneus, faut voir. En tout cas, c'est Ferrari qui donne l'appel. Ouais, pour l'instant. Oula, qui est un peu sorti à large là. Je crois un peu qu'il est ressorti en pneu rouge. Sauf s'il y a un temps qu'il va tomber en live, ce serait bien de l'avoir en caméra embarquée. Caillou qui est en constant. Pour l'instant, moi, il y a personne qui est en soft. Là, je fais un peu le tour, là, mais il y a vraiment personne qui est en soft. Ça veut pas sortir les softs pour l'instant. Jonesco carrément toujours en pneu blanc en 1.7.577. Il est pas très loin lui, hein, avec ses pneus blancs. Hein, sur le gardien. Non, mais ouais. Tout à fait. Fever, il s'est entraîné hein, cette semaine hein, et. Il est bon, il est très bon sur ce circuit. Ah, Bobby Hamilton, tiens, 7.065 avec la Mercedes. Et en pneu jaune. En pneu jaune, ouais. Ouh, et j'ai une ouais. D'ailleurs, qu'un tour lancé là, je crois. On a vu le doigt levé de Arkeo, on va pas dire c'était lequel, mais on l'a vu. Hein. Bon, en tout cas, c'était pas volontaire de sa part, Arkeo. Alors, je suis plus grand. Benji Télé, déjà il roule en Ligue D, Benji Télé en fait. Oui, il roule en Ligue D, mais. Ah, il roule en Ligue D. Ah, ouais. Mais Benji Télé, il est pas là. Il a eu des problèmes, et donc du coup, il est pas là ce soir. Il y a toujours personne hein, qui veut sortir les pneus rouges. Je cherche les pneus rouges. Un petit peu là. Mais j'espérais vraiment. Voilà, ah ça y est, j'ai le droit à Fever qui sort les pneus rouges lorsqu'il va nous. Ah, Fever! Et il reste parmi le reste 2, hein. Il se montre toujours pas. Ah, il cache son jeu jusqu'au bout, hein, le. Mais il a le cachotier. Mais il met le DRS.
et un dixième d'avance sur son propre chrono. Voyons ce que ça peut donner à la fin. C'est le deuxième secteur hein, qui va faire parler les pneus rouges surtout. Le deuxième et le troisième. Avec les deux derniers droites. Je pense pas que le pneu il surchauffe ici à la fin du tour. Non. Non, par contre ça s'use assez vite. Je pense qu'on peut gagner 4% je crois sur un tour qualif sur l'usure globale. En tout cas Feuer qui a bientôt terminé son tour là. Et sur la ligne on avait 697. Première place. En ERS2 hein, c'est respectable. Respectable. J'ai voulu d'Alex sur les pneus rouges, mais en fait, c'est son meilleur temps qu'il avait fait, le nouveau pneu jaune. Il n'y avait personne. Et hein. Alors, je suis te couper. Mais il y a Napoutre qui a fait une 0.67 là en médium. Ah ouais. En médium, ouais. 0.6784. Donc je sais pas du tout s'il est à fond là sur son dernier tour, mais en tout cas c'est pas mal. Ouais c'est un bon chrono ça. Comparé aux autres qui tournent juste autour de lui. Allez, il va nous rester bientôt plus que 5 minutes. Et on voit Arkeo qui est sorti avec les pneus rouges. Il va commencer son tour chrono avec la Renault. Je sais pas s'il a cuté, il était pas loin pour invalider les deux tours. Bon, en tout cas, il est parti là, le Arkeo. Bon, en tout cas, coupé, pas coupé, il s'en fout, il y va. Mais il améliore pas son premier secteur par contre. Pardon, excusez-moi. Une Force India aussi qui sort des stands, c'est celle de Kaiser 6 en pneu rouge. La seule hein, d'ailleurs des Racing Point là ce soir. Ça va commencer un peu à. On va commencer un peu à parler. Il y a Bobby aussi, il est sorti en pneu rouge. Il y a Rav. Il y a Strigoon. Il y a Maxi. Ça y est, voilà. Ouais, ça y est, c'est parti pour faire des gros temps. On va terminer quand même celui de Arkeo pour voir où ce qu'il va finir. Je pense qu'il va finir. C'est mitigé, 1-9-6, je crois qu'il va se relancer pour un tour, je pense. Comme c'est que des essais. Oui, il est reparti sur un tour. Champion Bobby canon alors que Mitsuki améliore 1-6-630 pneus jaunes. Bien joué de sa part, toujours au bout du troisième tour. Toujours. Et Bobby ERS5 par contre il se cache pas avec les pneus rouges. Et Jonesco là, je viens de le voir qui sort en rouge. Strigoon qui est en relancé, reste un peu avec lui. Je bloque souvent sur le caméra embarqué, hein, n'hésitez pas à me le dire, que je change. Socho qui nous dit qu'il faut ramener des points les Merco. Écoute ouais. Socho, concentre-toi sur ta course et puis voilà. Déjà en plus. Je ne sais pas s'il fout là, hein, mais il a quand même une course en LXC donc. Bobby qui mais sinon, blague à part. Secteur, sur ouais. Propre temps. Donc ça devrait nous sortir à 1-6-4, à 1-6-2. Il n'y a plus de RS et oui, il le fait, il améliore. 1-6-0-59, c'est encore plus que les prédictions.
Estrebo qui est pas loin derrière. Juste derrière, hein, une 6 218. Ouais. Tiens donc. Une Mercedes peut en cacher une autre. Et donc c'est 1-2 Mercedes maintenant. Et les deux places suivantes derrière, c'est les deux Renault, Arkeo et Mitsu. Toujours en tir groupé les deux aussi. Par contre, le moins bon tir groupé, c'est les deux derniers, c'est les deux As. Ouais. Celle de Hero, c'est celle de The Martian. The Martian, ouais. Est-ce que Favor c'est pas en train de sortir? Oui, il sera en train, il est en train de sortir en rouge. Voilà pour sa dernière tentative de tour lancé. Il nous reste plus que 3 minutes 50 avant la fin des essais. Napoutre aussi. Napoutre aussi effectivement. Je sais pas si on tour lancé là maintenant. Ça a l'air en tout cas. Il est en ERS4 là et en ERS5. Ouh, et il a split les Mercedes, mais il y a aussi Rav qui a aussi split les Mercedes. Oh, désolé, j'ai eu un petit incident, tu me disais? Excusez-moi. Je disais Napoutre, ouais, il vient de split les Mercedes avec Rav. Donc maintenant, Napoutre est deuxième et Rav troisième. En tout cas, moi j'ai le main sur Fever. Et Fever, ouais, tu disais qu'il était sorti, je le vois toujours vers un Fever. Bah, c'est bizarre parce que. Je l'ai vu sortir tout à l'heure. Alors c'était peut-être Plut Williams, je suis trompé. Martien apparemment qui aurait 19 tours. Bah oui, en fait Martien c'est en bas. C'est parce qu'en fait depuis le début il nous fait un rythme course de Martien. C'est merci probable. 19 tours, 1 minute 973 en meilleur tour. Ça se trouve, oui, il est en rythme course. Bobby Hamilton qui va reprendre le temps, non? Ah non. Non, il a toujours. Ça a pas bougé. Ouais, je l'avais anticipé, mais en fait non. J'ai voulu anticiper quelque chose. Ça a pas marché. Merci Bobby, c'est cool. T'es viré. Napoutre, deuxième, hein. 1-6-134. Je te l'avais dit tout à l'heure que Napoutre était sorti, ben c'était pour faire un temps. Ouais, mais en tout cas, il y en a un autre là qui s'apprête à faire un temps, c'est Favor. Allez, en caméra télé. En soft. Ouais. En caméra télé, c'est parti. On verra bien. Bon, le virage, il est assuré en tout cas. Ouais, je pense qu'il n'a pas coupé, il y a un drapeau jaune, c'est secteur 3. Et c'est bon, c'est clear. 320 de km/h, 320 km/h de pointe et 3 dixièmes et 20 millièmes d'avance. Non, il est à fond là, le Favor là, ça se voit. Ah, déjà 3 dixièmes dans le premier secteur, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, mais ça, je pense que là il est vraiment bien parti. S'il coupe pas de virage, à mon avis, là il est parti pour prendre la première place là. Ouais, moins 6 dixièmes là, c'est très bon ça pour Favor. Ok, il assure là, tout dernier virage pour lui. Et là il va être à fond, il va faire un 1-0-5-8, c'est pas mal du tout. Oh, ouais, celui-là il l'a sorti. Ouais, il est pas mal. Mais la cachette son jeu jusqu'au bout, hein. Parce que là il était en 5. Là il a surpris tout le monde, je pense. Il y a peut-être Napoutre qui est en piste qui a essayé d'améliorer, mais. Non, il en aurait. Je sais pas s'il va faire un tour. J'espère qu'il aura le temps en tout cas. Ouais, il est en train de se préparer, ouais, je pense, pour un tour lancé là. Et 10 secondes avant la fin de la. Ouais, de la fin de la saison d'essai. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Ouais, ça passe à 4 secondes. Allez, je vais partir avant le premier virage là, si ça passe bien, sans couper. Ah, c'était aussi soft, très très soft, je pense. Un dixième de retard. Ouais,
Quoique là, on peut pas. Deuxième secteur, je me suis trompé. Je pensais qu'il était en retard de 3 dixièmes, mais non. Plus que 3 dixièmes. Mitsu, par contre, 1,5590. Oh, lui, il a mis tout le monde d'accord. Je pense que c'est fini. Mais c'est vrai que j'avais oublié Mitsu. C'est vrai qu'il s'était entraîné, mais je me souvenais plus trop de 7 ans. C'est peut-être pour ça que. Même Napo ralenti à la fin. Ça m'a étonné qu'il ralentisse parce que. De toute façon, c'était. Il était en train d'améliorer en fait. Il était en train d'améliorer, mais c'est quand même fait avoir par Mitsu. Bah oui, Mitsu, lui qui a vraiment surpris tout le monde, hein. Ça c'est bien de le dire. Même moi je. J'avais pas. J'avais convaincu que c'était Train. Mais en tout cas, voilà, on a notre classement. Avec la première place de Mitsu, on essaie, ouais, on essaie libre. Deuxième, Fever. Troisième, Bobby. Quatrième, Napoutre. Cinquième, Ram. Sixième, Scribble. Septième, Beach. Huitième, Johnny Scone. Neuvième, Arkeo. Dixième, Eros. 11e Calibubi, 12e Militreba, 13e Kézarsis, 14e Maxi, il faut que je descende un peu plus bas, 15e Ludalex, 16e Kams, 17e Oliver, 18e The Martian et 19e Figulo qui n'a pas roulé. Tout simplement. Qui n'a pas roulé. Quand on a pu voir que The Martian faisait un relais complet durant ses entraînements. Ah, c'est le Psyris. Et par contre là, maintenant c'est. C'est la qualif. C'est une chose sérieuse. Ouais. Il va falloir sortir de gros temps là pour aller chercher la pole. Je pense que voilà, il y a Mitsu là qui est plutôt bon. Il y a aussi Fever là qui était peut-être pas à fond là en essai. Peut-être qu'il a fait. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Bon, en tout cas. Il a encore un peu d'essence. Hein. Il a montré le RS, mais l'essence on l'a pas vu ça par contre. C'est ça, tout à fait. On ne sait pas donc. Rien n'est joué pour l'instant. Et c'est une taureau. Ouais. Et c'est Napoutre qui sort en premier. Et un suivi de Rave. Où il y a même 4 voitures là qui sont sorties en même temps. Les 2 Ferrari qui sortent en même temps. Chaque fois avec les arrêts au stand, les pneus, on va peut-être les laisser de côté. Et au moins, on peut avoir des caméras embarquées normales. En plus, il y a du monde qui est sorti, beaucoup de monde. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde là. Il y a 10 voitures, je pense, qui sont déjà sorties. C'est vraiment mal déjà. On va quand même suivre Napoutre pour son premier tour chrono. C'est lui qui va mettre la référence en qualification si ou pas. Oui, tout à fait. Il est quand même un peu instable de l'arrière, hein. On voit qu'il a mis des gros coups. Puis avec l'exercice, c'est une Ferrari qui se suit de très près là. Ça peut peut-être gêner Calibibi du coup, ouais, qui suit de très près l'exercice. Mais ça peut aussi lui donner un peu d'avantage là sur les lignes droites. Il y en a plus. 0,5,3, c'est pas mal. C'est pas mauvais. Calibri, ouais, il risque d'être défoncé dans le dernier virage ici. Et il y a Fever qui vient d'améliorer aussi là le. Mini très bad, une 0,4,9. On est déjà en dessous des 1,05. Ils sont bien descendus, on allait dire est-ce qu'ils allaient descendre, mais ça y est. Ah bah voilà. Il a fait attendre uniquement 3 minutes 30 à peu près. Je voulais voir, c'était celui de Bobby, mais il est pas parti et en plus il est en plus jaune.
pardon. Excusez-moi. Et là, il y a 11, ouais, 11 voitures qui ont fait des, qui ont fait un temps au moins là. Et donc, il y a des vrais drapeaux jaunes de partout. Alors, je crois quand même que les marques Ferrari la perdent. Ah, ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Où il y a une Toro Rosso qui vient de faire un tour là. Je vais les comparer aux autres, c'est très compliqué parce que justement, les autres sont ralentis, mais surtout ici. Avec le dernier virage, je pense qu'on se rencontre. Ouais, ça peut être très piégeux, ouais. Tout à fait. J'attends de voir Mitsu là, qui visiblement n'est pas encore sorti. Ou alors c'est qu'il a nuit son stand. Arrêt au stand. Ouais, tout à fait. Non, il est pas encore sorti. Peut-être, wow, soit il est pas sorti, soit il a du son cours. Et Bobby en 6-0-17 avec les plus jeunes. Il a maintenant que nous a fait un peu plus tour, on va pouvoir mettre les plus jeunes. Pour les meilleurs coups. Ils sont. Ils sont. 4 hein, on va utiliser les pneus jaunes. C'est Bobby, c'est Jarusco, c'est Archeo et Strigo. C'est déjà complètement décalé. Ouais. Pourquoi pas, à tenter. Nous, enfin, moi en tout cas, en training, c'était soft hard, enfin soft medium pardon, à chaque fois. Donc, je sais pas vraiment ce que ça vaut cette stratégie. The Martian, je vais voir, il a fait un tour, il est 13ème en 1-6-548. Je pense que ça confirme que tout à l'heure il était en mode course, tout le long. Ouais, tout à fait. Archeo 1-6-670 seulement, on l'avait vu un peu mieux quand même tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, en même temps, il est en médium, oui. Mais il y a déjà 1000 frais bâtir par terre. Ah oui, effectivement, peut-être pour améliorer peut-être son temps de 1.049. En tout cas, c'est un très bon temps, en tout cas pour un League D. Merci encore pour ceux là, ils nous regardent. J'ai pu voir des noms comme Pierrodin, j'ai pu voir Socho, Aspiris, Epic Player. Et j'en passe, hein. Je peux pas remonter. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui parle non plus. Il y a une très bonne ouais, qui va nous faire un temps là. C'est sûr qu'il est sorti avec Figuero. Arkeo qui est toujours en piste avec Figuero. Dichi Mitsu, Mitsu aussi qui est en piste. Mitsu ou Mitsu. Le reste, c'est pour un peu. Il serait pas qui est un peu, ouais, qui a peut-être bloqué son tour, je ne sais pas trop. Il a bloqué le Wawo. Ouais, il serait qui a. Je vais mettre aussi sur Mitsu, j'attends de voir ce qu'il veut. Une pour le premier secteur, c'est pas mal. Ça donne quoi ici? Alors il y a Sojo qui nous demande ça donne quoi ici. On va avoir de la pluie. Alors je ne sais pas s'il y a de la pluie normalement. On n'a pas la vue là-dessus hein, par contre. On a ouais, on n'a pas le. On peut pas savoir. Par contre les pilotes le savent eux. S'ils ont regardé leur écran. Ce qui est un peu différent habituellement. Ouais normalement ouais c'est. C'est plutôt l'inverse. En vrai c'est moi qui ai mis les météos, je vous avoue, j'ai mis personnalisé complet et je vous ai mis de la flotte dès le début. Hein. C'est juste pour pourri. Je ne savais pas que vous allez découvrir qu'à la fin. Ou Mitsu qui a pris très large. Ouais, et qui termine son tour en 1.221. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il se place entre Faber et Dapu 3. Et au deuxième secteur, il a 39 millièmes d'avance sur son temps à lui.
Carrasco. Je ne voyais plus dans la caméra et d'un coup il réapparaît. Un Fever qui est meilleur de 2 centièmes par an. Son secteur 1. Je vais un peu le suivre moi de mon côté. On a Poud qui a amélioré son temps. Il a fait un 1.052 là. Je sais pas si tu l'as dit. Non. Moi j'ai bloqué sur. J'ai bloqué sur autre chose. Un Fever qui perd un peu de temps là. En tout cas pas d'amélioration ou de perte significative. Ouais, dernier virage pour lui. Et c'est en. Ouais. Il a amélioré et il est repassé devant la poutre. 1.050 pour Fever. Moi j'essaie de regarder du coup. Qui est-ce qui serait peut-être éventuellement plus lent que ça après cette. Bobby. Oh putain, lui il est venu nulle part. Oh oui. En plus rouge. Qui se classe en deuxième position. Juste derrière Mini Trev Adrien. Ah ouais, j'ai vu des petits bugs tout à l'heure sur le retour, là je l'ai désactivé parce que bon j'ai trop de 4G. Je vais pas me dire si les images prises ou pas. Ouais. Ça serait dommage quand c'est pas de qualif que je corrige tout de suite le problème. J'essaye. Pendant ce temps là, il y a Kezar 6 qui est en train de nous faire un pour lancer là actuellement. Il a une 056 Kaiser 6. Kaiser 6 d'ailleurs qui est pilote Ligue B. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. Mais qui a dû remplacer, ouais. Qui remplace au pied de lui. Moins 4 dixièmes. Sinon, pas de forcing ce soir. Ouais, oui, c'est ça. Donc, heureusement qu'il y avait Kaiser 6. Et il passe la ligne à 1.0. Ouais. C'est dommage parce que je pense qu'il est un peu tout perdu sur le secteur 3. Enfin, il a perdu 3 dixièmes là, sur le secteur 3. Donc c'est vraiment dommage. Ouais. Non, je pense que c'est ça. Très bas, toujours au stand, on a le retour en piste de Bobby, le retour en piste de Fever, on a Napoutre et Mitsu qui se rentrent au stand, on a Raph qui se rentre, qui va faire un tour. Kaibibi qui en finit, Kaibibi qui en finit son tour. Qui sort de stand. Allez, ensuite, je prends contre les voitures. Alors qu'il va commencer son tour chrono en premier. Et c'est Fever. Allez hop. L'un des prétendants à la pole position.
Ouh, je sais pas s'il n'a pas coupé, j'espère que non. Ah, il est sorti large, hein, ouais, avec sa roue extérieure. Ouais, il perd 2 dixièmes là, presque 3. Il a désactivé complètement l'URF. Ah ouais, ouais, donc ils vont y couper, ouais. Malheureusement. Dommage. Ah, il fait dépêcher le stand, peut-être qu'on mettra encore un train de plus, il y en a un. Peut-être, ouais. Peut-être encore le temps. Ouais. Ça dépend quel mélange il a pris. Bon, en tout cas, on va voir si il peut... Oh, Bobby, ouais. Ouais, je viens juste de le remarquer. Il relâche pas. Alors que bon, Google me demande en quoi il peut m'aider, il m'a tiré dans le du coup, peut-être que ça sera mieux. Plus ouais, plus 6ème quasiment, qui n'améliore pas, hein. Je pense que c'est ça va être foutu pour améliorer là pour Hamilton. Enfin pour Bobby Hamilton en fait. Ah ouais, il rentre. Mais il serait bon hein, qu'il ressorte toujours pas. Hein. Et soit il a confiance en son temps, soit il peut pas améliorer, ça sert à rien. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, son coéquipier Johnny Sco, qui va finir son tour, qui est sur l'avant-dernier virage et qui va entamer le dernier virage. Qui va sortir un peu large là, mais qui va améliorer de 3 dixièmes quand même. 382. Par contre, bon, c'est encore serré. Là, tu prends le 13ème, avec une seconde. Ouais, c'est ça, c'est très très serré, donc je pense qu'en course ça va être vraiment que des batailles, que ça, des batailles, que des batailles. Il va falloir que juste, je sais pas si juste avant la course je vais couper le live et le reprendre juste après pour juste être sur de la configuration sur OBS. Sur OBS. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits. Il y a des petits fiches d'image. J'ai pas l'impression. Mini très bad de retour en piste. Ah, on a mis l'écho, il va revenir. Ainsi que Napoutre qui rentre en piste. Calme ceci. Qui a décidé de ne pas abandonner. Et puis bon, tout cas aussi, bah, finalement. Ouais. Bon, ce Camille très bad en tout cas, son côté commence son tour lancé. Pas chez Renault, le tour reste stand. Alors premier virage, est-ce que Mini Trebad va-t-il Oh, j'ai l'impression que Mini Trebad a fait le même secteur il a fait que le même premier secteur. Il a fait le même. Oula, il y a plus ou moins. C'est quand il y a égalité, ça. Ah, il a abandonné. Il a abandonné son tour. Il a dû couper. Mais il va peut-être espérer qu'on pourra faire un deuxième avec les centres. Il y a Dij en tout cas là qui est en train de faire son tour lancé. Peut-être sortir des tréfonds du classement. En pneu jaune, hein, Mayhem. Ça va être dur hein, comme c'est serré pour le moment. En tout cas, il est meilleur de 1 dixième. Contre 4ème qui continue son tour. Ouh, Napoutre! Il s'explose pour Napoutre qui a abandonné. J'ai pas compris. Tu l'as eu sur le live? Ouais, j'ai pas compris comment ça s'est passé, mais. Mitsu qui est reparti en piste, mais il reste 25 secondes. Je sais pas comment il va faire pour franchir. Je sais pas. Bah, ça va être impossible. Hein. Moi qui utilise un slash TP ligne d'arrivée. Mais non, mais là ça va être. Mais là ça va pas. Ouais, ça va être trop tard pour Mitsu. Il a la position. Et non, en 5-0-49, il améliore pas son temps. Ouais. Fever, derrière, qui améliore pas non plus. Si! Oh, c'est Fever! Une 4 prend même la pole! Allez hop. Fallait même faire mentir. Voilà, je l'avais dit que Fever était prétendant pour la pole. Voilà, après commencer un tour juste à la fin, attention. Mais qui ça ? Il est passé à une seconde de la fin de la ligne.
Bon, il a du deuxième de retard déjà des premiers secteurs, mais je voulais le noter. Bah non, ça va être pour Fever la pole position. C'est fort possible. C'est ouais. Pour Fever, c'est pour Fever. Pole position en 1.4927. Pour la Ligue D, c'est pas mal du tout. En tout cas, bravo en tout cas à tout le monde, hein, parce que c'est très très serré comme temps. Ce sera le seul, hein, descendu en 1.4 avec une très basse. Ouais. Et du coup, les coéquipiers, ils sont plus ensemble. Ça veut dire qu'ils sont partagés. Une Williams, une Red Bull, ouais. Une Red Bull, une Mercedes, une Toro Rosso, une Corsica, une Renault, une McLaren. Et en gros, une Owen, une Williams, quoi, donc c'est. Plusieurs voitures différentes. En tout cas, bah, du coup, on peut dire première place pour Fever, deuxième place pour Minitreman, troisième place pour Bobby, quatrième pour Napoli, cinquième pour Kedanki, sixième Mitsu. 7ème Rav, 8ème Kams, 9ème John Xpo, 10ème Strigoon, 11ème Kalibili, 12ème Beach, 13ème Arkeo, 14ème Figolu, j'ai du mal, 15ème Maxi, 16ème Eros, 17ème Oliver, 18ème The Martien et 19ème Ludalex. Malheureusement, bah, il nous manque une course sur cette grille de départ. Oui. Effectivement, il en manque une. Mais bon, au moins il y en a une. Et je vais essayer de modifier 2-3 trucs. Alors je vais en profiter qu'ils sont là comme ça explosés sur la piste. Donc, il y en a un qui est explosé sur la piste. Ouais, de Mitsu, ouais. Vous pouvez voir l'intérieur de mon PC. Il n'y a rien de suspect. Voilà, boum. En plein live. Je suis désolé, les gars. C'est comme ça. Alors, vous pouvez voir que ma température elle est un peu haute. Pas trop énorme non plus, hein, 60. Bon, en tout cas que pendant que Spadier règle ses problèmes de stream, oui. Fever du coup en pole position, Mini Trebad qui suit, Bobby Hamilton, Napoutre, Kaiser 6, Mitsu, Rav, Kams, John Xco, Strigoon. Et ensuite en dessous du top 10, nous avons Kalibibi, Ditch, Arkeo, Figolu, Maxi, Eros, Oliver, The Martien, Ludalex. Voilà le classement. Et dans quelques instants, du coup, la course. Je suis de retour. Et théoriquement. Théoriquement, j'ai pu mettre ma carte graphique à fond entre temps. J'ai pu descendre les frames sur le logiciel. J'espère que ça va fonctionner. On verra bien. J'espère également, parce que ce serait quand même assez dommage de louper la course là. Je pense que ça va être du très lourd. Bon, en tout cas, les pédales chargent pour l'instant. Bon, par contre, je pourrais plus vous voir pendant quelques instants au niveau du chat. Je suis désolé. Je vais mettre ton téléphone. Donc, moi, j'ai toujours un œil dessus. Ne t'en fais pas. En tout cas, si le c'est marché pour moi. Et on est parti pour le tour de formation. Tour de formation ou tour de déformation, hein, puisque tout dépend de ce qui vous fait chauffer vos pneus, si vous les faites pas chauffer. Ouais, moi en général, je les fais pas chauffer par peur de trop les user. Sachant que j'ai beaucoup de mal, moi, avec les débuts de course, je ne préfère pas. Ça, je pose toujours la question, hein, est-ce que c'est un tour de formation, un tour de déchauffe? Oui. En tout cas, je trouve une course passionnée là, je pense, hein. Bien passionnante. Oui, sans doute. L'animation, la stratégie, je sais pas si t'as pu voir quelque chose sur les essais que t'as pu faire. Moi, en tout cas, comme je l'avais dit un peu plus tôt, je pense que ça va surtout être du soft medium s'il ne pleut pas. Après, c'est vrai que s'il pleut, tout va changer, mais en tout cas, je pense que la stratégie. Majoritaire, oui, ça serait le soft medium en tout cas. De toute façon, je pense que même tout le monde part en soft, donc maintenant, reste plus qu'à voir. D'ailleurs, Fever va bientôt s'aligner sur la grille de départ. Voilà, tout à fait. C'est ce que je trouve un peu dommage, que l'IA te prenne le contrôle à la fin.
On va quand même pouvoir avoir la possibilité de se mettre sur la grille nous-mêmes. Bah je pense que c'est par sécurité hein, parce que je pense qu'il y a certaines personnes. Je crois qu'il y a une araignée sur la caméra. Vous allez voir, là, vous allez voir en plein live, il y avait une araignée sur la caméra. Il y en a eu encore une deuxième. C'est pas chez moi, hein. Vous allez voir, c'est. C'est le jeu. C'est un truc chelou. Je vous avoue, c'est pas moi qui est désolé. Je te laisse ta bête devant, je vais derrière personnellement. Ça marche, bah écoute, moi je suis positionné actuellement sur le cover. Et on a les feux qui s'allument. On a les feux qui s'allument, mais c'est le départ du Grand Prix d'Autriche de Ligue D va bientôt commencer. Les feux sont éteints et c'est parti. C'est parti. Très bon départ pour Mitrimane, par contre, qui reprend tout de suite la première place à Fever. Et derrière, ça se passe assez bien pour le moment, il n'y a pas de gravure. Il n'y a pas d'accident. Pas d'accident, j'ai pas vu d'aileron voler en tout cas. Donc c'est très très bien, c'est un très très bon premier virage. Et Fever qui est en deuxième place pour le moment, qui a pas réussi à reprendre la Mitrimane. Et c'est Bobby qui essaie de l'attaquer. Bobby qui a touché Fever, il part en tête à queue. Oh non, Bobby, ah oui, oui. Il est trois de fond entre la Ferrari, la Red Bull et la McLaren. C'est Kalimbi, c'est Rav et c'est John Isco. Je suis en freinage pour Kalimbi, il allume quand même, c'est pas mal. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'il a pas mal gagné là. Je crois qu'il a déjà gagné 3 positions, Kalibibi, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Mais le grand perdant, quand même, là, c'est Bobby Hamilton là qui a perdu toutes ses places. Il a perdu 7 places. C'est vraiment dommage. Il a bien tapé l'aileron à l'avant. C'est ça. Et là, il y aura pas de safety car pour le sauver. Et il va falloir qu'il aille au pit, là, changer d'aileron. Il y en a Fever qui continue à poursuivre Mitrebat qui veut pas le lâcher. En tout cas, le paquet est très serré. Le peloton est très serré. Voilà, je pense que c'est plus approprié comme terme. Et Bobby Hamilton, oui, qui est le seul à s'arrêter. Et en tout cas, il y a John Isco qui tente une attaque sur Kalibibi. Et maintenant, c'est John Isco qui est en danger par la McLaren de Rav. C'est le cœur de moteur, non, attention. Mais c'est bon, tout va bien pour eux. Tout va bien pour l'instant. Mais c'est toujours assez propre, hein, à part pour Bobby. Ouais. Sur ce premier tour. Hein. Bah en tout cas ouais c'est très bien, je trouve que c'est beau, que c'est très beau de la part de la Ligue D. Très bon comportement. Tout à fait. Et le DRS est activé. Bien évidemment. Mais bon, il y aura un peu un effet con parce que comme tout le monde fait suite tout en DRS. Tout à fait, mais en tout cas, je tiens à dire que Nakutre ne bénéficie pas du DRS pour l'instant. Avec Kams, ouais, première pénalité. Là, il y a Bobby Hamilton qui a entamé son troisième tour là seulement. Vraiment dommage pour Bobby Hamilton. Tu aurais pu faire une bonne course à mon avis. Ouais, tout à fait. En plus il est reparti en pneu rouge. C'est voulu, ça passe toujours un petit peu derrière Rav. En tout cas Fever là qui est vraiment propre. Oula, qui peut-être. Oui Fever qui a peut-être tenté sur l'intérieur sur Mini Trebad. Oh non Fever. Oh non, Fever qui a spin! Et qui a cassé l'aileron aussi! Oh, c'est vraiment dommage pour Fever! Oh non, Fever! Fever qui s'est entraîné, qui a tout perdu en l'espace d'une fraction de seconde, malheureusement. Et qui repart 18ème. C'est vraiment terrible pour le pilote Williams là. Je pense qu'il méritait vraiment au moins un podium ce soir et c'est vraiment dommage. Et moi, j'ai complètement raté la
si tu allais dessus juste à la fin. Ah, c'est dommage, je sais pas ce qui s'est passé, mais les deux sont touchés en tout cas. La faute à qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment dommage pour Trevor et que c'est dommage pour le spectacle. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. En tout cas, il y a Napoutre et Kams là, qui sont en train de se battre, et Kams qui a vraiment pris beaucoup de position là depuis le début de la course. Bon, en tout cas, ça ne tente plus là, les positions restent les mêmes. Bobby Hamilton qui enchaîne meilleur tour sur meilleur tour pour l'instant. Oh putain, ennemi. Oh, pardon. Il y a Mini Trebad qui est en train de s'envoler là. Il est à 2 secondes 8 de Napoutre. Ouais, de Fever. Ouais. Il est libéré de Fever et par contre, c'est lui qui est sur place. Tout à fait. Qui ne tente pas d'attaque pour l'instant. Et Napoutre qui d'ailleurs fait en train de s'éloigner de Kams. Qui ne bénéficie plus du DRS d'ailleurs. Maintenant c'est Mitsu qui est en danger par la Mercedes de Strigoun. Bobby Hamilton encore une fois meilleur temps. Oula, Mitrebad qui est parti à la faute. Qui est parti en tête à queue. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas sur sa caméra, mais en tout cas il est parti sur l'herbe là, il était sur l'herbe. Et il vient de se faire passer par Kams un instant. Ouais. Il a perdu deux places, c'est Napoutre maintenant qui a la tête de ce Grand Prix. Et Kams qui lui aurait l'espace. Kams qui lui aurait l'espace. Ah, je sais pas si. Ah, je sais pas, en tout cas, j'aurais peut-être pas redonner la place tout de suite. Mais en tout cas, il va dépasser Mini Trebat peut-être là. Oh là 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 là. C'est complètement arrêté presque. C'est débuté. Mais du coup, ouais, c'est Napoutre pour l'instant qui a repris la tête du Grand Prix là. Il est à 3 secondes. Oh là, Mini Trebat qui a du mal, j'ai l'impression, avec ses pneus soft là. C'est lui, comme tu dis, c'est Napoutre qui a la tête. Ouais, c'est Napoutre, oui. Oh ouais, et Bobby Hamilton qui a abandonné la session. VSC. Je ne comprends pas non plus, je préfère la safety car aussi. Et pourquoi une VSC? Oui, j'attends de voir le lieu de l'accident en tout cas. Mais personne à part Bobby. Bobby qui est plus là? Non, Bobby oui, qui a abandonné, oui. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ah, et ça s'arrête? Pour Mini Trebat des Kams. Ouais, Kams, ouais. Peut-être partir sur des hards. Et t'as raison. J'ai raison. Ouais, voilà. Ah bon ? Mais je pense que déjà, Kams, il a pas fait ça pour l'avantage, il a fait ça pour l'aileron. Parce qu'il était cassé, visiblement. Très bon. Du coup, ça nous relance la course. La poutre, premier, deuxième, pour la troisième place. Il y a aussi. Ouh là là, la Gabby et Johnny Squid qui sont en plein combat là. Mais c'est bon, ça s'est stabilisé, on va dire. Il
Ferrari qui joue à notre position, c'est-à-dire qu'il regarde ce qui se passe. Il prend peut-être un petit crash pour passer. Un spectateur privilégié. Bon, en tout cas, Calibi qui a gagné pas mal de positions, il a déjà gagné 6 places là, depuis le début du Grand Prix. Johnny X qui était attaqué à Calibi d'ici quelques instants. Oui, si, 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 ça se fait, ça se fait, ça se fait. Attention, contact. C'était pas loin. C'était pas loin. Est-ce que ça va retourner en file indienne? Oui, ça va retourner en file indienne, oui. J'ai croisé, mais c'était pas possible. Ouais, c'est un peu compliqué. Et pour l'instant, on a Poutre qui s'envole. Hein. Qui s'envole, qui est à 15 secondes maintenant de demi-dessous. Donc là, il est très très bien. Calibi est libéré pour le moment. Non, non, il est en ERS3, donc à mon avis, il est vraiment en train de pousser sa voiture à fond. Hein, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de maintenir, enfin, d'être, même de construire un écart assez important. Histoire d'assurer ses arrières et de se couvrir des pénalités qu'on peut écoper pendant la course. Strigoun qui était à moins d'une seconde de Pénalis, mais qui n'ouvre pas son DRS. Oh, là, toujours avec Strigoun. Strigoun qui prend une petite sortie là, j'ai l'impression. Calibi. Par contre, ça se tient avec Calibi, Strigoun, Calibi, Janisco, Graal, Ditch. Oui, tout à fait. Ditch en plus. On peut recommencer le temps avant l'avantage, lui, en question de peloton pour les deux minutes. Ça, il y en a autour 11, donc à mon avis, oui, il peut tirer avantage de ces pneus là. Parce que là, tour 11, à mon avis, les pneus soft commencent déjà à vraiment être. En piteux état. Alors que Dieu aussi avait une place face à Ra, mais il perd encore une deuxième place face à Lich. Et il veut peut-être. Ouais, ah, ça y est, il a récupéré. Il avait 3 secondes de pénalité. Qui est dernier. Il a arrêté, il a pas perdu le bout d'aileron, mais. Et en constant, parce que les pneus. Peut-être les pneus, oui, qui commencent à être vraiment morts. Ouais. Après la crevaison, il a préféré ralentir plutôt que crever. Et puis avoir 5 secondes de pénalité pour être entré trop vite dans les stands. Malheureusement, le sort quand il va s'acheter sur lui. Bon, en tout cas, Calibi. Calibi qui est toujours au cul de Strigoun. Qui lui-même est au cul de Kaiser 6. Ou d'ailleurs qui tente une attaque. Et Strigoun qui a pas. Oui, Kaiser 6 qui a laissé. Qui a laissé la place quand même. Je crois que intéressant, ce serait de voir un temps de mini très bas dans le combat. Voir s'il remonte, s'il remonte pas. Je vois qu'il est à 20 secondes, une bonne appo. On va essayer de tout le monde de regarder. En tout cas, je pense qu'il a gagné du temps, quoi qu'il en soit, vu que les sauts qu'on rend, comme je le dis, à être usés, à être en piste. Ou piste. Oh, non. 1, 2, 3, en piste état. Voilà, je vais arriver.
Donc non, je pense qu'il va quand même gagner du temps et peut-être qu'il va peut-être pouvoir même reprendre la tête, hein, 20 secondes, ça me paraît tout à fait faisable pour reprendre la tête de la course. Et il n'est plus qu'à 19 secondes 30, alors il était à 20 secondes 1, ouais, c'est vrai qu'il prend. Donc Napo, si tu veux garder de ton... D'ailleurs, on a mis très bas, on va commencer à prendre le sujet martien. Avec l'inspiration et le DRS, donc je pense pas qu'il va être à la distance. Alors on sait jamais. Qui assez très autoritaire, ouais, de mine très bad, mais c'était propre. Ça, il est passé, mais attention, ça. Ah oui, c'est ça. Il faut pas. Et là, il y a tout un peu de temps en si ça n'a pas le jour. Bah, c'est peut-être un des seuls dépassements qu'il va devoir faire. Là, je pense que les gens vont commencer à aller au stand là. On va suivre un point de la poutre qui pite. Mais d'ailleurs, voilà, le leader qui pite. Voilà. Mitsu qui continue. On a Strigou qui continue aussi avec Kalinui. On a Kaiser 6 qui s'arrête. On a McLaren qui continue. Arkeo qui a décidé de s'arrêter au stand aussi. Mitsu qui continue avec Eros qui rentre aussi au stand. Et Mitsu du coup, il est libéré. Et alors attention du coup, Napoutre qui a peut-être. Ça y est, il est ressorti. Oulala, ça va être au coude à coude. Mais je pense que oui, c'est Nap. Ouh, attendez. Attention avec l'inspiration. Ouais, ça va passer pour une très bad. En plus, il avait pneus. Ouh, ça se laisse beaucoup de place. Mais Napoutre, il est carrément sorti là, hein, pour le laisser passer lui. Ouais. Mais il est sans pneu blanc. C'est pas le top pour la fin de la course. En tout cas, rien n'est perdu pour Napoutre, qui peut toujours gagner cette course. Ouais, il va suivre, hein, directement avec... Ouais, il va suivre, donc à mon avis, ça va être le... Entre le stand et Mitsu, très compliqué. Hein. Surtout qu'il allait perdre la voiture dans le premier droit. En tout cas, Strigoun qui le suit. Kalimbi, lui, qui continue, on suivi de Ditch et de... Enfin, de Rav et de Ditch, pardon. Tous les deux reviennent sur la Ferrari de... Ils reviennent sur ton coéquipier, Nako. Nako. Micro. Oui. Oui. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. Ça fait. Est-ce que oui, Kalibi va pitter maintenant? Il pit, le pilote Ferrari. En tout cas, il y a le Bibi qui, ouais. Qui est ressorti nickel, qui va ressortir de. Ouh, d'ailleurs, il y a Johnny Skou et Kaiser 6 qui sont en train de se batailler. Il y a Kaiser 6 qui reprend la tête. Ah. Oh non, ouais, il a perdu un bout. Non, mais je crois même qu'il a perdu un bout d'aileron en sortant des stands. Oui, je te confirme. Alors, oh non, c'est terrible. Pas comme ça. Il y avait l'avantage sur le monde de. Oh non, c'est pas possible. On a Strigoun sur Figoulou, attention. Ah là là. Figoulou. C'est vraiment, vraiment dommage comme erreur. C'est vrai que ça arrive, mais vaut mieux le faire en essai ou en qualif quoi. Et on a dit, je suis joli leader. Hein. Mais il a raison, je pense qu'il va s'arrêter aux alentours du tour 22. Ou au tour 24. Et je pense que Kalibibi va rentrer parce que là il a des difficultés avec sa monoplace là.
troisième tir. Oh, oh non. Oh non. Il y a Kalibibi qui voulait rentrer au stand, mais Fever s'est crashé, ouais. Ah ouais. C'est ce que je disais, on peut au stand de Bordeaux. Il faut vraiment prendre à l'intérieur, quoi. Et là, il avait perdu le... Je l'ai vu, il avait perdu le contrôle de son véhicule et il est parti large. Et en voulant aller dans les stands, il a croisé le chemin de Fever. Ouais, qui a enchaîné les malchances. De près dans Fever. En plus, hein. Tout à fait. Mais c'est vraiment dommage. Mais il est très bon pas du tout. Qui peut détacher. Il ne pas arrêter. Il était dans 6ème, détaché aussi. Il a beaucoup de temps. Un petit peu plus de se passer quand il arrive. Avec les arrêts au centre. On va voir les batailles entre les roues, les livres, etc. On a Arkeo devant avec les coups. Bon, en tout cas je suis en apout là qui a peut-être je pense qu'il commence à peut-être à... Ouais. Pendant 10-15 tours, c'est les plus blancs. Ah, d'ailleurs, qui se rapproche là, qui se rapproche tout doucement, mais qui c'est pas suffisant malheureusement pour Napout. C'est un petit virtuel. Tout à fait. Oliver qui s'est craché. Oliver qui s'est craché. Et Maxi qui rentre au stand au ralenti. Oula, pénalité de passage au stand. Je pense que ça s'appelle entre les deux, là. Et pénalité pour qui? Pour Jean Musco. Ouais, qui a eu grosse pénalité là, c'est un drive-thru. Hein. Pas au courant qu'il y a cette carte virtuelle parce que là du coup il peut plus tracer. Parce que c'est. Parce qu'il peut plus tracer, il respecte pas le Delta. Oui, c'est ça. Il respecte pas le Delta, c'est pour ça qu'il va arriver ici. Et il continue d'accélérer. Là on est sur. C'est bon, c'est drapeau vert maintenant. C'est reparti, mais Jean Musco lui il s'est payé une pénalité parce qu'il a continué. Oula, et Kams qui. Ouais. Mais il est très bas, c'était plutôt loupé, il peut vous attaquer Kams. Ah, ça y a Ditch qui s'est enfin arrêté. Oula là. Kams, ouais. Mais qui a spin. Oui, et attention, il y a Strigoon qui arrive. Et c'est Strigoon qui spin là. Oh là là. Oh non, et ça, Strigoon. Oh là là. Oh là 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 là. L'effet domino. Là, l'effet domino était terrible. On a fait demi-tour tout de suite sur la piste. C'était pas trop. Et deux DNF pour Mercedes. Ouais. Et deux DNF Mercedes. Terrible pour Mercedes là qui ne marque aucun point. En tout cas, la course continue. Bah oui. Mais qui est un peu écarté là, il a eu presque une seconde là. En fait, il est tout à fait. Il est troisième, mais il est pas loin de Poutre et de Mini Trevad. Donc c'est plutôt bon point. Ouais, il est en. Il a une très bonne position, ouais. Il est 5ème, mais il va devoir
faire une patrouille. Et la poutre en fait du armure. Oui, d'ailleurs, Kams qui se fait attaquer par, par Ditch. Ouais, c'est ça, Ditch, ouais. Il est même passé, Ditch, sur, sur Kams. Il a pas bien. Qui ça? Kams. Puisqu'il a tapé dans le tribune, je pense qu'il a quand même pas dit un petit bout de rond. Effectivement, faut regarder la droite, si je dis pas de bêtises. J'essaie de voir, mais ouais. En fait, ça me laisse en caméra au-dessus et j'arrive pas. Ouais, si, si, il a perdu, il a perdu un bout de rond. Hein. Je confirme qu'il a perdu un bout de rond. Et il continue. Mitre et Mitsu, hein, toujours en bataille contre le Mitre et Bal. Ouais, c'est très serrant. Très bad, ouais. Mitre et Mitsu, bad, qui... pas aussi, hein, des... Non, il n'y arrive pas du tout avec le premier bal. On va prendre la poutre, hein, pour marquer les gens de nouveau. L'exercice maintenant qui va passer c'est vraiment si on est très bas aussi. On gagne la troisième place. Ditch peut être deux tours avec ses pneus rouges. Il en reste encore 14 à faire. Ça en ferait 16 avec les pneus rouges, ça serait dur. Hein. Par contre j'ai l'impression de plus t'entendre. Si, si, je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis un peu. Non, non, c'est, je suis un peu. Je regardais un peu le Discord là pour savoir un peu ce qui se passe, mais. Effectivement, là, il y a eu un gros effet domino là, mais. Je pense que pas grand monde pouvait faire grand chose là pour éviter les crashs ou les spins. Bon, en tout cas, oui, il y a toujours le combat là entre. Les trois premiers. Et Napout qui est toujours en tête d'ailleurs. Napout qui cherche toujours d'ailleurs sa première victoire si je dis pas de bêtises. Je pense pas, je vais regarder tout de suite sur le forum, mais je crois même qu'il cherche même son premier podium. Hein. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de puits. Ouais. Ah non, je viens de vérifier à l'instant. Non, Napo a déjà fait le podium cette saison, donc il, maintenant il vaut la victoire, je pense. Et il va rien lâcher. En tout cas, il va la. S'il va la chercher. Enfin, je pense qu'il mérite quand même une victoire. Je pense qu'il bosse dur quand même pour les avoir, ces victoires. Et il a aussi un peu de malchance durant certains grands prix. Donc je pense que ça lui fera pas de mal au moral. D'ailleurs c'est toujours très espacé, il y a peut-être oui il y a peut-être un petit combat avec Heroes quand même entre Heroes et John Xco. Qui s'échange des polices. Oh d'ailleurs il y a Heroes qui a cassé son aileron aussi. Ouais toujours sur le partie gauche hein, de l'aileron. Oh, Napoutre qui a perdu une position et qui s'est pris 3 secondes de pénalité. Et c'est du coup Mitsu qui a pris la tête du Grand Prix. Et il y a peut-être Minitrebat qui a peut-être. Oh là là là, c'était ouf. C'était.
Ouais, c'était très 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 viril, mais il l'a eu et il n'y a pas eu de casse. Exercice qui suit tout ça contre le premier, hein, qui a terminé. Toujours en 4 secondes. Ouais. Ouais, sinon c'est vrai qu'après c'est assez espacé, c'est 3 secondes quasiment à chaque fois. Hein. C'est. C'est ça. Ouais, ouais, il y en a eu beaucoup, oui. Beaucoup de rebondissements également. Deux qui sont pas lâchés, c'est deux McLaren, Luc Chiral, toujours ensemble, 5ème ou 6ème. Ils profitent de la devant pour remonter au fur et à mesure à chaque fois, de plus en plus. Et 5ème et 6ème place, ça va faire beaucoup de bien pour McLaren, pardon. Il y a souvent des temps groupés, hein, si tu regardes, bon après pour Red Bull. On a les deux McLaren ensemble, on a les deux As ensemble, on a les deux Ferrari ensemble. Et on a les deux, Mercedes ensemble en abonnant. C'est élite. C'est ça. Tout le monde est groupé. Mais il trébote, il sort qui n'arrive pas dans la vente des règles de Mitsu. Une seconde 0,91. S'il y a au moins une la grande zone, ce serait cool. En tout cas, il a toujours apporté de DRS, il a toujours possibilité de faire quelque chose, Napoutre. Mais avec ses 3 secondes de pénalité, il va falloir qu'il croise les doigts pour que Mini Trebad et Mitsu fassent également une pénalité. Ouais, c'est ça. Et Cam aussi. C'est sa deuxième pénalité, si je dis pas de bêtises. Pourtant, Nebu, il est pas là. Mais ce pénal n'est pas là, il tombe beaucoup. C'est qui? C'est Mini Trebad qui est parti, qui peut partir en tête à queue. Ouais, c'est ça. Mais oui, pardon, excusez-moi, mais Napoutre, ouais, il va falloir qu'il fasse attention à pas casser les ronds. Sinon, ça souvent freiner trop tard quand on est devant quelqu'un, quand on lui colle au cul. Ouais, je pense que. Et là, vous voyez. Napoutre, c'est calme, mais. Mais pas de dépassement. En tout cas, Napoutre, il veut en découdre avec Mini Trebad. Là, il veut sa deuxième position. Et il faut qu'il fasse vite s'il veut creuser un écart parce que ça va être compliqué. Et Cam, 3 secondes. C'est ça. Bon, il aura des points. Mais ça, je crois qu'il est le meilleur. Il a avant l'air. Oh là là. Attention, par rapport au jeu, c'est notre troisième secteur parce qu'il s'est crashé. Et du coup, ça pourrait nous créer une nouvelle safety car virtuelle. Ou une safety car peut-être, hein. Mais non, je pense que non, ça se séduitera un drapeau jaune, ouais. Ça aurait été marrant une petite safety car pour terminer la course, histoire de remonter tout le monde de nouveau derrière toi. Ouais, j'ai pas vu, mais Mitsu qui a pris large, hein. 3 secondes de Mini Trebad quasiment. Mais Mitsu, il y avait une pénalité, je me souviens plus. On va aller voir ça tout de suite, peut-être faire un petit pont freinard. Est-ce qu'il serait de se mettre à l'abri? Bon, alors Cam, du coup, il a abandonné. Il est très bon, il dépense beaucoup le RS. Soit il essaye de revenir sur Mitsu, soit il essaye de s'échapper de la poutre, mais... Enfin, du coup, Mimi qui a 500 de pénalité pour grave collision avec Fever. Arkeo qui a 3 secondes. Et il est mal à ton miracle, comme Mini Trebad. Du coup, c'est Napoutre qui arrive derrière, il essaye. Mini Trebad qui a pris 3 secondes de pénalité. Ah. Voilà. Donc voilà. Ça peut soulager Mitsu un peu, tu veux. Ou alors même Napoutre, hein, qui peut toujours, du coup, faire quelque chose.
Et qui est l'exercice qui revient hein, maintenant du coup sur les deux. Puisque Militrebad il perd beaucoup de rythme. Quoi qu'il en soit, les deux sont égalités. Militrebad et Naput sont égalités. Par contre, Kaiser 6, lui, n'a pas 3 secondes et il peut choper peut-être la deuxième place s'il reste assez proche. En tout cas, Naput qui va tenter un dépassement maintenant sur le virage 2 et ça passe. Et ça passe. Hein. Ça passe. Parce qu'il essaie de rendre l'appareil au DRS ou l'autre ligne droite pour Militrebad. En tout cas, Naput qui défend, je sais pas, il a essayé de défendre le fer, mais il. Il va y aller au blocage. Oh là 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 là. Alors là par contre malheureusement tout. Oh, c'est dommage. Ta bataille est. Ouais. Et Mitrebat qui se relance 6ème seulement maintenant. Alors et en plus il allait prendre l'avant cassé je pense. De ce que j'ai vu. Je sais pas du tout. Je pense que c'était Ouais, il allait prendre l'avant cassé. Ouais. Oh là là, c'était pour Militrebad. Par contre, j'ai beaucoup de crises sur mon PC là, de plus en plus. Ouais, j'espère qu'il va tenir le coup jusqu'à la fin en tout cas. C'est dur. Premier toujours avec 1 seconde 7 maintenant plus seulement d'avance sur sur Napoutre. Tout à l'heure il avait 3 secondes d'avance presque sur Militrebad. Maintenant qu'il est libéré, est-ce qu'il va essayer de le rattraper? Il y a un d'ailleurs on parle de Militrebad qui s'est arrêté là et qui est en 10ème position. En tout cas beaucoup de gens ont perdu durant cette course. Je pense notamment à Fever là qui est beaucoup perdu, il y a Strigoon aussi qui a beaucoup perdu, Bobby également, il y a Militrebad, il y a Kalimbi aussi qui était bien placé mais qui a eu un peu de malchance. Ça devient dur, hein. Faut que j'arrête de faire des caméras embarquées parce que sinon je vois qu'il y a plein de... C'est un peu la galère pour moi ce soir là, à la fin du stream. On a vu d'Alex qui s'est pris un tour. C'est possible, ouais, tout à fait. Je crois qu'il est en fantôme donc. Bon, en tout cas, Johnny Xco, en tout cas, sur du truc qui est pas loin de Figolu là. Mais je crois que c'est un peu, ouais. Risqué là pour tenter de dépasser maintenant, effectivement il n'a pas tenté. Il a pas tenté pour ouais, donc ça va être compliqué. À l'intérieur, quoi, ça c'est peut-être la place. Ouais. Il le rattrape, il le suit, il va y aller. Kaiser 6 qui fait pour être DRS pourtant, mais qui il va un risque sur Fugulu. Mais ça va se produire, ça passe pas dans cette vidéo. Il y aura une caméra embarquée de merde de la part de la réalisation. Je vais Militrebad, ouais, mais qui a repris 3 drones de bon. T'as pris 3 drones et t'as pris le meilleur tour de ça. Vous aurez peut-être 2 points si il finit 10ème en tout cas. Mais en tout cas, ça bouge pas en tête. Il y a Mitsu qui prend de l'avance là, il y a 3 secondes de Naput. Naput 2ème, Kaiser 6 3ème, Ditch 4ème, Mira 5ème. Ouais. Ouais, je vois ça.
pas la faire. Oh, est-ce qu'il va tenter... Oh, c'était... Pour les pneus jaunes, au lieu d'Alex, il en a 26 sur les pneus jaunes. Oh, Udalex fait qu'il est vraiment en difficulté. Il va y aller, je hein, pense. Cette fois-ci. Ouais, je viens de le voir, ouais. Et c'est pas... Il se fait croiser. Il est sur le et mais il y a une très bad aussi, son coéquipier qui est juste derrière. Bah oui. Qui va aller passer. Ça, c'est vraiment dommage que ça se soit entre coéquipiers là. Ouais. Remis très bad. Ouh là là, qui bloque les roues. Mais ça passe. Il est un peu chaud. Ouais, ça passe pour Remis très bad. Ça passe. En tout cas, je pense que ça va être difficile pour lui de creuser un écart là conséquent pour garder sa 7ème place parce que là il a ses pénalités. Là, ça va être compliqué aussi. Le dépassement qu'il vient de faire. C'est ça. Kedar, c'est-à-dire qu'il attend toujours de dépasser Napoutre. Mais il a rien à craindre s'il prend pas de pénalité Kedar 6. Parce que je pense qu'il n'en a pas alors que Napoutre en a déjà 3. Non. Jonesco. Ah bah voilà pourquoi ça bug sur mon PC, c'est parce que je stream Jonesco. J'ai compris. Et il est passé. Et c'est passé, ouais. En fait, c'est sa retransmission. Plus ma retransmission, ça donne un bug. C'est là par contre Kedar 6, j'ai pas de lag. Kedar 6, j'ai pas de lag. Donc c'était de sa faute non, depuis le début. Si tu re-regardes le live, tu regarderas, c'est énorme. Je suis pas sur Kedar 6, il y a plus de lag. Bon, en tout cas, il y a Mitsu qui vient d'entamer son dernier tour avec 3 secondes d'avance. Mitsu s'est donné s'il ne se foire pas. En deuxième aussi, hein, s'il fait pas de petite erreur sur Kedar 6, il est juste derrière pour lui prendre. En tout cas, ouais, non, ça doit pas trop bouger en haut. En tout cas, Napoutre qui, je pense, va perdre malheureusement sa position. Face à Kedar 6. Mais ce sera quand même déjà un podium pour Napoutre, hein, qui n'a pas démérité. Mais maintenant, à voir avec ce qui s'est passé avec Mini Trebad. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, j'avais pas le bon angle de caméra. En tout cas, ce n'est pas à moi de dire qui est fautif ou pas. Et en tout cas Mitsu qui attaque le troisième secteur, le tout dernier secteur de cette course. Et on finit enfin, on le voit, c'est relâché. C'est plus aussi rapide qu'avant. Mais voilà, Mitsu qui finit en zigzag et qui va finir cette course en première position. Bravo à lui. Deuxième. Oh, ouais, Napoutre qui a gardé sa place finalement, Kedar 6 troisième. La pénalité aussi Kedar 6, ça bouge pas. Quatrième Rav. Cinquième. Arkeo qui est pas loin. Gros point du coup pour Renault ce soir. Ça va être très bon ça. Oula, Mitrebad Mitrebad qui est parti à la faute. Oh oui, qui est parti à la faute là au tout dernier. Tout seul. Ouais, tout seul, oui, tout à fait, tout seul. Et du coup, c'est Jonesco et Figoulou qui repassent devant. C'est ça. Et Mitrebad qui est dixième maintenant. Les autres Marseillais ont les pénalités, récupèrent la 8ème place. Mais c'est bon, c'est fait. Et les Ferrari qui vont terminer 12ème et 13ème respectivement. On tient groupé. Et 14ème Ludalex qui lui aura déjà franchi les lignes. Malheureusement pour lui. Mais ça y est, c'est fait. Tout le monde a franchi les lignes d'arrivée. Bah, je savais pas que Mitsu ressemble à ça. C'est pas Alain Prost. Non, malheureusement, non. Et Napoutre qui a déjà quitté, malheureusement, lui, deuxième. C'est déjà une bonne position en plus, je pense, pour lui. Bah, je pense qu'il va être content, mais moi, j'attends de voir ce qui s'est passé avec Mini Trebat quand même. Mais en tout cas, c'était une bonne course. Il a bien su maîtriser sa course. GG à lui. Et GG à tout le monde d'ailleurs. Ah bah on a eu le droit à une belle course, ils nous ont fait une belle course cette fois-ci. Bataille devant, bataille derrière, bataille au milieu.
tellement de batailles que même le PC il a pas voulu suivre. Voilà, hop, on écrit screenshot. Moi je dois quitter le live parce que là mon PC il a pas trop aimé la fin. Donc, ouais, il est en PLS. Je te remercie Napo hein, de nous avoir m'avoir commenté avec moi ce Grand Prix. Hein. Bah, mais oui, écoute, en tant que Napo, oui, je suis très content d'avoir commenté ce Grand Prix. Ah, oui, il est temps de finir, t'as vu. Ouais, exactement. Non, mais en tout cas, oui, très content d'avoir commenté avec toi, Spadjari. C'était un véritable plaisir et j'espère vous retrouver encore une fois très bientôt pour un nouveau Grand Prix. Bah, le prochain Grand Prix qui sera en stream, ça sera lequel? Ça sera le Grand Prix de Ligue B, vendredi, c'est ça? Ligue B, et je roulerai, du coup, ouais, c'est ça. Voilà, donc on te retrouvera sur la piste, et après, ça sera dimanche en Liga. C'est ça. Pour la dernière en Autriche, avant de passer sur le prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix de Silverstone. D'Allemagne? Oui, Silverstone, pardon, après, ça sera Allemagne. Ça sera déjà un peu mieux. Ça sera mieux, oui. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toi, Necro, et puis bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde, ciao.